Yo tout le monde, c'est Ozaru. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Until Dawn, certainement l'une des dernières, donc peut-être dans 3 épisodes, ça sera terminé. Alors hop, je vais lancer, et voilà. Donc, on s'avait arrêté là. Ça va être rapide, là. Allez. Alors, si je me trompe pas... Ah oui, la mort monstrueuse de Emily. J'ai fait une erreur, j'ai pas fait exprès, il y a mon doigt qui a glissé sur le R2 et paf. En plus elle est horrible, elle a l'œil explosé, elle est... Il s'est bien visé en tout cas. Par contre je me demande ce qu'elle a vu Sam pour aller rejoindre Mike. Hop, on va monter. Ok, là je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Je pense qu'il... Ah oui, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis bête, en plus je tourne des épisodes à la suite. Faut qu'il aille voir Josh. Ouais, sauf que Josh il est dans... avec l'autre là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les hommes... Non! Les hommes miraculés. Oui, je sais, j'ai lu, merci. Alors, je voudrais juste voir... Le sauvetage réussi, les 12 mineurs piégés suite à la catastrophe du janvier 1952. Du coup, en fait, ils ont tous survécu. Ok. Putain, c'est le chalet, il est énorme. J'adore ce jeu, mais il fait trop flipper. Ouais, j'ai peur pour Mike parce qu'il a aucune arme. J'ai peur qu'il meure. Ouais, ça sera peut-être pas le cas. Hein. Bon, en plus M, elle est morte là. J'ai tellement mal joué. J'ai trop putain mal joué. Merde. Et si on est là avec le chien là? Ouais, c'est ça. Où sont passés les loups? Ah, il a dû les manger certainement. Ce jeu là est pas fait pour les enfants. Pas du tout. Je pense que les loups ils sont tous morts. Donc là il est dans l'asile si je me trompe pas. Donc les loups je crois qu'ils appartenaient au gars avec le lance-flamme hein, je pense. Ok donc on va continuer à monter. Donc je pense que là on va accéder à l'épisode 10 dans pas longtemps. Voilà. Encore 40 minutes de vidéo là. Et j'espère qu'on va atteindre l'épisode 10 et ensuite dernier épisode de ce premier let's play sur ma chaîne. Je parlais dans les deux dernières vidéos. Oh, c'est quoi ça? Oh, le pied du feu et un flingue. Plus qu'une fourche et une foule en colère. Hop, on allume. Allez, allume-moi ça. Donc Mike, je pense que ça doit être le héros. Oh non, prends tout, prends tout, prends tout. Non, c'est bête. Oh la vache, j'ai canon scié quoi. Non, reprends des balles. Donc les gens, je vous en ai parlé dans... je sais plus dans quelle vidéo, mais... le prochain let's play aura lieu dans un petit moment. Donc je vous dis pas ce que ça serait, je vous laisse la surprise, mais je suis sûr à 99% que ça va vous plaire. Là faut aller où? Attendez les gens, je vais... c'est là je crois. Adjectant, tu as traversé les sanatoriums pour trouver Josh. Et la clé du téléphérique. Ouais donc je pense qu'on peut
sauver Josh quand même. Hein. Bon, comment ? À savoir. Faudra bien savoir où est-ce qu'il faut aller là. Ah, ça on l'a vu ça déjà. Faut trouver Josh, mais. Ok, non, faut pas aller là. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller, les gens là. Ah, faut peut-être aller là. Non, non, je pense qu'il faut retourner. Ah. Ouais. Ouais, bien sûr. Ah bah non. Pour le bruit de ouf. Spécialement pour faire venir les Wendigo. Ou les chiens, s'ils sont encore là. Ouais, yes. Alors. Content de me revoir, hein. Mais c'est là qu'il bouffe. J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave bête. Allez, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers la psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Je crois qu'il y avait pas ça. Il y en avait deux, je crois, des loups. Hein. J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. Salut, il va devenir fou, il va parler aux animaux. Non mais c'est bien justement que maintenant on ait des loups. Bon, j'espère juste qu'il va pas crever parce que j'aime pas ça. Mais... J'aime bien les loups, hein, mais j'aime pas que justement qu'ils meurent. Mais pourquoi ils mettent des caméras comme ça, on voit rien. Regardez là. Oh, c'est chiant. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Je crois que je suis bloqué ici. Ok. Voyons voir. Si ça marche, t'as de la chance. Bah ça a marché. Qu'à moitié. Ah ça y est, on entend encore les bruits de Wendigo là. T'as vu ? Moi aussi je me débrouille. Pas vraiment grand. Ok. Bon, on est à 8 minutes, ça m'étonnerait qu'on finisse l'épisode aujourd'hui, tellement le temps que j'ai mis hein. Quoi ça, ça. Oh. Oh la saloperie. Ah c'était un chien aussi. J'y crois pas. Dans quel bordel je me suis fourré. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, je déteste ça la vache, c'était un chien quoi. Oh, je crois entendre quelqu'un. Oh la vache, c'est hors que j'ai fait un butin. Vous l'avez vu à droite, les gens. Oh là là, j'espère que j'ai pas fait une connerie en butant.
comment qu'elle s'appelle, Emily. Bon, de toute façon, j'essaie très bien que j'aurai déjà la mauvaise fin. Parce que Jess, on n'a pas encore vu vraiment sa mort. Mais déjà, là, c'est sûr. Pourquoi? C'est pas grave. Ok, très bien. Oh, vous avez vu son ombre. En fait, ils nous mettent une caméra comme ça juste pour voir les détails. Parce que si on serait bah, comme dans les autres jeux, par exemple GTA ou Skyrim, et ben on pourrait pas voir ce qui se passe. Par exemple, là, j'ai vu le Wendigo tout à l'heure. Et si on aurait eu une vision comme dans GTA ou Skyrim, j'aurais pas pu le voir. Mais ça sert à rien. Enfin, je crois. Et il est habillé celui-là. Droit devant, droit devant, droit devant. Allez, allez. Ah, j'ai pas envie de te perdre, toi. Bah, je crois que le chien il est mort. Oh putain. Mais non, je suis en train de rêver, merde. Tu vas plus avoir de balles, toi. Putain de merde! Il peut passer à travers, fais gaffe. Dégage! Dégage! Ok, le chien, il est là. J'espère qu'il a pas crevé le toutou. C'était quoi ça? Oh pardon les gens, j'ai posé la manette au cas où faut pas bouger. Bingo. Attendez les gens, ellipse. Oh les gens, donc excusez-moi pour cette ellipse qui a interrompu la cinématique, mais j'ai eu un gros problème de casque. Encore heureux que vous l'avez pas entendu, sinon j'aurais dû recommencer le jeu à zéro. Et là, j'aurais dû annuler le let's play. Allez, on reprend. Allez, préparez-vous. Je repose la manette, on sait jamais. Ouais, je l'attends aussi, t'inquiète. Mais il te faut du feu pour le tuer. À moins que le chien, ça soit la chaîne de l'enfer qui te balance du feu. J'accepte. Putain, il a plus de doigts, le pauvre.
putain. Mais... Quoi? Les gens, si vous voyez une cinématique sans que je une ellipse sans que je vous prévienne, c'est que j'ai un gros problème de micro là. Et vous l'entendez pas, c'est que je l'ai réglé. Un par un, les gars. Il y en aura pour tout le monde. Ok, donc le mec il est quand même enfermé quoi. Oh oui, fais gaffe. Putain, j'ai pas envie de... Oh, putain. Oh, c'est quoi ça, ce truc de malade, là? C'est vraiment un asile, en fait. L'asile, mais avec des Wendigo. Trop fort. Oh merde, merde. Mais il est plus rapide que toi, fous-lui une balle. Oh le chien! Oh merde le chien! Ah le chien il est mort! Encore eux qu'on l'a pas vu. Bon. De toute façon je pense que le chien il aurait pas pu survivre. Hop, on avance. Tranquillement. Donc là on va s'arrêter à la fin, même si genre ça s'arrête à 25 minutes, je sais que je dis que je ferai 25, 30, 40, excusez-moi, parce que je compte faire d'une traite ou en deux parties l'épisode 10, ce qui va être un grave intéressant. Je voudrais bien faire la bonne fin, donc je pense que la bonne fin ça doit être de sauver Josh. Hein. J'en ai déjà entendu parler un peu partout, parce que je joue au jeu gravement en retard. Hein. Non, en 2017 et le jeu il est sorti en 2015. Mais j'ai profité parce que c'était le jeu du mois sur la PS4, du coup je me suis dit tiens, je vais faire du Until Dawn. Vous entendez les bruits, on dirait que les un truc qui galope, du coup ça doit être Wendigo. Parce que là, j'ai fait exploser donc vous m'avez le truc de... d'essence, du coup bah les Wendigo ils sont tous libres. Bon à moitié en train de crever mais tous libres. Merde. Comme c'est fait là t'as presque plus de balles toi. Ah j'aurais dû barricader. Allez bonhomme. Oh non, le chien n'est pas mort, yes. Ça va le faire. Oh non. Quoi ce bordel? Ah, c'est bon. Il a pas éclaté de partout.
Ok, j'ai un papillon, le chien est mort. Ok. Oh, wow. Jess. Oh, il y avait un bug, les gens, excusez-moi. C'est le jeu, là. Oui. C'est quoi, attendez. Bizarre. Merde. Oh, putain. Ok, elle a eu affaire au Wendigo dès le début, elle. C'est quoi ce qu'elle a sur le front, elle? On va savoir. Allez, vite, on se dépêche, on doit trouver Mike. Allez. Tellement épique, la vache. Moi, je commence à boiter un peu, là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Ah, merde, Chris, est-ce que ça va aller? Ouais, allez-y. Allez-y, j'arrive même pas à vous suivre, de toute façon. Oh. Chris, arrête ça, ok? Écoute, vous partez devant, d'accord? Il faut prévenir Mike, je serai juste derrière vous et je vais reprendre mon souffle. D'accord. Ok, les gars, les gens, j'ai un effet papillon. Wow. Cours, cache-toi, j'en ai eu de nouveau. Ok. Laisse derrière. Ok, une fois mordu. Ok, je vais pas tous les regarder, sinon ça va me pomper toutes les minutes que j'ai devant moi. Ok. Pourquoi ils mettent une caméra comme ça, sérieux? On va voir la main d'un Wendigo, c'est ça? J'attends que ça, de toute façon. Donc voilà. Voilà. Et là, ça, ça c'est quoi? Est-ce qu'on essaie? Bah, c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix, hein. Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Alors, qui s'y colle? Ah, c'est pas si mal. Tu crois que le tunnel mène au sanatorium? Ben, j'espère bien. Où tu veux qu'il aille? J'ai un autre effet papillon, il me semble. Je vais être sûr que Chris nous trouvera. Eh, peut-être que si je laisse des marques le long du chemin, ça lui permettra de nous suivre. Tu sais quoi? Par devant, je te rejoins. Ok. Ok, normalement j'ai un effet papillon, mais...
Ouais, il est mort le loup. Là, vous voyez pas grand chose, moi aussi, hein, les gens. Donc, si vous voyez vraiment, vraiment pas beaucoup, bah, désolé. Oui. Qui est là? Y a quelqu'un? Jessica? C'est toi? Enquêtez sur la voix. Complètement dingue. Jessica? Jessica, est-ce que t'es là? Je crois que c'est là. Elle est morte. Oh là là. Bon appétit. Rapide la vache, les gens. Bah, ceux qui ont fini le jeu, ils ont vu. Ah, bah, il a été là. Quelle grosse erreur. Sam, Ash, vous m'entendez? Bon, bah, on est perdu une de plus. Il me reste plus que des courageux, la vache. Tunnel vers le sanatorium. Oh, j'aurais dû suivre le groupe. Ça se trouve, si j'aurais pas tué Emily, ça aurait fait autre chose. Bon, les gens, j'ai encore un problème de casque. Je vous dis à tout de suite. Re les gens. Donc, j'ai réglé le problème de micro. Et là, il n'y en aura plus du tout. Du coup, plus d'ellipse. Bon, vous, ça vous dérange pas trop. Parce que ça vous juste coupe. Ça vous coupe juste dans l'action, mais rien de méchant. Bon, Ashley est morte. Du coup, là. On va avancer encore. Ok, c'est une cinématique. Hein? Oui. Qui est là? Enquêtez, rejoindre le groupe. Je cherche pas à comprendre, tu rejoins le groupe. Ça m'embête pour H. Quand Chris va le savoir. Oh là là. Bon bah Chris aussi est mort, c'est une blague la vache. Oh là là. Peut-être un peu avec Matt là. Oui bingo, on est avec Matt. Ah ça vous vous rappelez?
Bon bah Josh aussi il est mort. Allez, maintenant je suis grave prudent. Allez, ma fille, tu peux le faire. Oh, merde. Ah bah je sens aussi que tu vas aussi crever. Oh là là. J'ai perdu Chris, Ashley, Emily. Non mais ils vont bien tous crever un par un. Hein. Ok, donc là, la lasse. Elle va mourir, Sam, c'est sûr. Oh, je croyais qu'elle avait brûlé, j'étais en train de me dire. Garde l'appel au cas où. Voilà. Vivante, quoi? Ouais, vivante, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que tu fabriques ici, d'ailleurs? Je voulais t'avertir à propos des Wendigo. Ouais, je suis au courant. Ouais. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où vit cet enfoiré. Oh, ok, les gens, ça va être tout pour aujourd'hui, là. Ah, Matt, tiens. Bah ouais. L'erreur, encore une erreur de ma part. Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Oh la vache, il y a des têtes qui sont tombées. Hein. Il y a beaucoup de têtes qui sont tombées. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Wow. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où vit cet enfoiré. Ok, et là on a qui là? Ah ouais, Josh. Il est mort, je pense. Repentance, les gens. C'est l'épisode 10. Allez, ça va être le dernier épisode la prochaine fois. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si... compliqué.
Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Ouais, respirez, on va perdre. Ah ok, donc il était carrément fou. Il avait jamais existé. Les gens, on a Josh, mais on le contrôlera la prochaine fois. Sur ce, les gens, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Allez, ciao.